Ouais, ça va? Dis-moi ton nom, comment tu t'appelles? Je ne sais pas ton nom. Pourquoi tu n'as pas la visite? Pourquoi tu n'as pas la caméra? Comment tu t'appelles? C'est tout? Tu es française ou? Nationalité? Non. Brigitte, même les Français, là. Vous avez un petit nom. Moi, en fait, Brigitte Bardot. Non, non, non. Je n'ai pas française. Moudon, non, non. Hein? Moudon. Ok. Comment tu te sens? Ben, ça va. Mais ce matin, j'ai eu un peu mal là, sur ma jambe. Sinon, ça va. Sinon, ça va, je marche. Lève-toi, Yawa. Tu as lancé ma course comme mon oubilé. Ça va. Ouais, ça va. Faut expliquer qu'est-ce que tu avais quand tu venais. Et puis maintenant, ça va. J'essaie d'expliquer. Nous, on a besoin de témoignages, c'est important. Voilà. Tu es descendu de l'avion. J'ai eu un blocage de jambes à la. C'était à l'embarquement. Voilà. Finalement, j'étais dans le fauteuil roulant. Mm-hmm. Juste dans l'avion. Et. Arrivé à l'aéroport d'Abidjan, ils m'ont remis dans le fauteuil roulant. Et voilà, ils sont venus me chercher. Arrivé à l'hôtel là-bas, ils m'ont porté. Juste dans ma chambre. Ah, vous l'avez soulevé? Ils m'ont carrément porté, là, je ne marchais pas. Pardon? Je ne marchais pas du tout. Je ne marchais pas. Ils m'ont porté jusque dans la chambre. Arrivé ici à Divo, ils m'ont aussi porté. Jérémy? Alors, quand il est porté, là, il a soulevé. Carrément. Il a soulevé. Je ne marchais pas. Il m'a carrément soulevé. Mm-hmm. Il m'a mis dans mon lit. Et maintenant? Là, maintenant, pendant les... jusqu'à vendredi, hein, j'avais très mal. C'est après la prière là, que ça va. Tu peux expliquer ça un peu en... Moi, j'aime bien la langue. Je suis trop panafricain. Tu peux expliquer ça un peu dans ta langue. Comment vous parlez? Quelle est votre langue officielle ici? Ah. Souvent, sur le Djoula, qu'on parle un peu nos marchés. Dans votre langue, quand on parle couramment, le Camerounais, c'est quoi? C'est le pidgin. Le pidgin. Les mamans, ils parlent au marché. Voilà, pidgin, là, tu peux expliquer ça? Mon pidgin, j'ai oublié. Ah. Un petit peu le pidgin. Ouais, mais dis aux gens que tu es en Côte d'Ivoire, pidgin, ça peut se dire? À for Côte d'Ivoire, for Divo. Voilà, Côte d'Ivoire, Divo. Yes. Voilà, parce que... toi, tu es dans le côté anglophone ou même francophone? En francophone. Parce que tu as dit yes après. Voilà, parce que souvent les gens pensent que quand ils voient les vidéos sur le YouTube, ils pensent que souvent c'est des mises en scène, mais ce n'est pas des réalités. Toi, tu as vu les vidéos sur le YouTube, tu es venu jusqu'à Divo, tu as été déplacé à Abidjan, jusqu'à Divo, mais voilà ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà, et Cameroun, c'est un pays que j'aime bien, que je ne connais pas bien sûr, mais que j'aime bien. Je pense bien que c'est très bientôt, par la grâce de Dieu, que je salue de passage Patrice, depuis l'Allemagne, et j'ai dit à Berlin, lui à Berlin, Patrice, où je serai très bientôt à Berlin, et je crois que par grâce à lui, je serai au Cameroun. Et puis j'ai dit, salut aussi Benjamin Pinga, il est aux États-Unis, un frère camerounais comme vous, c'est quelqu'un qui a aussi aime bien ce que nous faisons ici. Depuis lors, il a commencé à nous soutenir. Voilà, il nous envoie de temps en temps des offrandes, en tout cas pour nous encourager dans le travail que nous sommes en train de faire. Voilà qu'on découvre encore notre soeur. Et je pense que Dieu l'a guérie, elle ne va pas nous laisser aussi. Elle aura l'occasion de nous envoyer des offrandes. Mais oui. C'est ça, non? Ah, c'est sûr. Tu envoies des jolis bonbons, on a mangé. Tu envoies des cadeaux aux enfants et tout ça. Voilà, on aura l'occasion de... Mais il faut communiquer, il faut que tu dises aux gens que ce que tu vois ici. Parce que souvent les gens, quand ils viennent, ils pensent que... Quand ils voient ça, ils pensent que
mental. Est-ce que c'est une réalité? Non, c'est la réalité, parce que moi j'ai vu sur YouTube et. J'ai pas l'impression que tu as un peu peur de la caméra, ça veut dire quoi? Non, je suis un monsieur un peu timide. Tu es timide, d'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir complètement en Bolivie? Ce qui m'a motivé, c'est. Non, je. J'avais des problèmes et puis je cherchais. À la recherche de la délivrance. Voilà, j'étais à la recherche de la délivrance. J'ai dit, bon, ben, quand j'ai vu le prophète, j'ai pas douté. Malgré que c'était sur le YouTube, j'en ai parlé à une copine, elle m'a dit, oui, est-ce que tu crois à ça? Moi, j'ai dit, de toute façon, moi, je vais aller sur place. C'est tout ce que je veux. Donc, tous les soirs, parce que c'était vers le mois de... Et à quel mois tu as découvert la vidéo sur le YouTube? C'était le mois de juillet, vers le 20 juillet. Mais je devais prendre les vacances le 3 août. Ça me faisait trop juste pour faire les papiers. C'est ça. Bon, après, j'ai dit, bon, on verra bien. Et le mois de... Non. Après, j'ai posé quand même mes vacances pour le mois de décembre. Mais ce n'était pas pour venir ici. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que tous les jours, je regarde les vidéos. Dans le mois de décembre, là, enfin, début novembre, vers le 3. J'ai décidé comme ça, en passant devant l'agence de voyage, en rentrant de mon travail. Mm-hmm. Je suis rentrée, ici il y a une place, je vais prendre la place. J'ai demandé à la dame s'il y avait la place pour Abidjan. Elle m'a dit oui. Bon, il fallait que mon patron me donne l'accord, puisque j'avais déposé mes vacances. Il fallait attendre 3 mois. Bon, il fallait que j'attende l'accord de mon patron. Je suis allée voir mon patron, je lui ai demandé s'il m'accordait les vacances ou pas. C'est là qu'il m'a dit oui, il m'accorde mes vacances. Quand je suis revenue le lendemain à l'agence, j'ai acheté mon billet. Et ça, je n'avais pas encore le papier pour le... Tu as eu un visa, la Côte d'Ivoire? J'ai eu un visa parce que... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Parce qu'à un moment donné, je pensais, on était déjà le 28. Et moi, j'avais rendez-vous à l'ambassade le 28. Mais je suis quand même allée, je n'avais pas la lettre d'invitation. Je suis quand même allée, ils m'ont dit d'apporter absolument la lettre d'invitation ou bien une réservation d'hôtel. Ah bon? Oui. Après, je me suis dit, Seigneur, moi, ce voyage-ci... Moi, il faut que tu le bénisses, parce que moi, je vais aller voir le prophète. Bon, samedi matin, je suis sortie pour aller faire quelques petites courses. Je tombe sur une copine ivoirienne. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue, mais de temps en temps, moi, je l'appelle comme ça. C'est là que je me dis, tiens, Flavie, moi, je vais aller en Côte d'Ivoire. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là-bas, quoi? Je dis, ben, je vais aller voir le prophète, machin. Elle me dit, mais je ne connais pas, j'étais en Côte d'Ivoire le mois de... Doute. Je ne connais pas ce prophète, là, je pense qu'on lui parlait. Donc je lui ai dit voilà, moi je vais aller pour mon problème que tu connais, je vais aller voir le prophète. Elle me dit, elle connaît quelqu'un d'autre. Moi j'ai dit non, moi c'est celui-là que je vais aller voir. J'ai déjà pris contact avec le staff et tout ça. C'est là que je lui ai dit, mais il me faut une lettre d'invitation. Elle m'a dit, oh, une lettre d'invitation, mais c'est pas un problème. On sort du métro, on va dans une cabine téléphonique, elle appelle son fils. Elle appelle son fils, aide à son fils de me faire la lettre de l'invitation, mais il ne savait pas faire. Bon, moi, j'ai le soir, je suis rentré chez moi, j'ai fait le modèle que je lui ai envoyé sur son email. Et j'avais rendez-vous à l'ambassade le mardi pour prendre mon passeport. Bon, et le mardi, quand je suis rentré le soir, je trouve la lettre, comme quoi il m'a envoyé la lettre avec la copie de sa pièce d'identité. Bon, j'étais contente. Du coup, je suis retournée à l'ambassade le vendredi, j'ai pris mon passeport. Le visa, voilà. Très bien. Vous dites que ceux qui aimeraient vraiment nous rendre visite, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas la première d'ailleurs. Nous avons encore une autre qui est encore là. Vous dites que le problème même de la sorcellerie, c'est le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Mais pour nous, il faudrait que chaque Africain prenne conscience de ce mal. En fait, qu'ensemble, nous puissions le combattre pour que soit éradiqué sur le sol africain. Voilà, donc shalom et que Dieu vous bénisse.